Eh bien, salut à toutes et à tous, l'âme compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, une vidéo un petit peu particulière, je suis malade. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop, cette voix un petit peu suave. Voilà, pendant que je fais cette manœuvre que j'ai donc que je ne fais pas en direct, voilà, c'est une vidéo d'une petite vingtaine de minutes avec un petit trajet sympathique où j'ai fait Cracu Gévac jusqu'à Novi Sad, livraison de friandises d'Halloween. On va en parler. On va en parler, je vais tout vous expliquer, tout vous raconter. Mais voilà, je ne joue pas en direct. C'est une livraison que j'avais fait il y a quelques jours maintenant. Et que j'avais donc enregistré, parce que j'enregistre tout au cas où il m'arrive des dingueries. Et voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler avec une voix off pour changer. C'est un peu une vidéo checkpoint, un peu une vidéo tampon. Parce qu'actuellement, au moment où je vous parle, et non pas au moment où vous voyez le trajet, au moment où je vous parle, il me reste plus qu'une livraison à faire dans les West Balkans pour valider le défi World of Truck. Donc ça, on va faire ça dans la prochaine vidéo, on fera ça ensemble. Et dans les missions Halloween, je crois qu'il me reste la moitié des livraisons à faire. Et pour le DLC des Go to the West Baltic Sea, là je sais plus c'est quoi l'autre. Mais là, j'avais fait qu'une seule livraison au final. Bref, ah oui, mauvais fonctionnement du moteur. À ce moment-là, évidemment, j'ai pas trop d'argent, donc j'évite d'aller trop au concessionnaire faire des réparations, parce que c'est vrai que j'ai eu quelques petits accrochages à cause de l'intelligence artificielle. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Ravi que ça vous ait plu, cette annonce d'être dans la L7C Family. Vraiment, c'est trop un plaisir avec ce joli camion et ces petites citrouilles d'Halloween, même si maintenant Halloween, c'est derrière nous. Bah, c'était hier, hein, au moment où la vidéo sortira. J'espère que vous êtes bien amusés, pour ceux qui se sont amusés. Et merci Fox du coup pour ce mode avec les citrouilles. C'est lui qui nous a chopé ce mode sur le workshop. Évidemment, tout est en description. Voilà, alors pour le trajet donc, voilà, salut les collègues. Eh, tu vas te calmer là. Pour ce trajet donc, on part de Cracu Gévac. C'est en Serbie, d'ailleurs tout le transport se passe en Serbie. On part de l'entrepôt Pijak. Alors je me suis un petit peu renseigné, je me suis dit, vous savez quoi, je vous fais une petite vidéo un peu culturelle. J'espère que ça va vous plaire. Peut-être que ça va donner envie à Fox de revenir sur YouTube, qui sait, parce que c'était un petit peu ce qu'il faisait avant. En fait, l'entrepôt Pijak, c'est une entreprise italienne de construction automobile. Alors oui, là on transporte pas de voiture, on transporte des friandises d'Halloween. Bon voilà, c'est les gestes commerciaux comme on dit, hein. Et en fait, cet entrepôt, il est uniquement dans le DLC Italie et dans le DLC West Balkan. Voilà. Et on va livrer chez Vilco. Ça, c'est une chaîne de supermarchés qui est propre au DLC West Balkan. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Attention, ça secoue. Hein. Voilà. Donc, on va faire 248 km. On va dépenser 106,8 litres de carburant. Et on va avoir un total de 9 811 € pour cette livraison. Vous allez voir qu'on va frôler un accident. Mais il y a également de la courtoisie durant ce trajet et ça c'est bien sympa. Et justement, je vous parlais d'accrochage avec l'intelligence artificielle, et bien tout simplement le mode Real Traffic Density Time entre temps qui a été mis à jour et donc qui a été installé, et c'est une galère. Voilà, parce que l'intelligence artificielle est encore plus énervée qu'avant, on te grille des priorités, etc. C'est très réaliste mais un petit peu trop aléatoire. Franchement, donc faites attention si vous installez le mode Real Traffic Density Time. Très compliqué, très compliqué. Voilà, alors on voit pas grand chose de cette ville, hein, parce que là on est dans une zone un peu reculée, je pense, de Cracu Gévac. Mais j'ai fait des recherches sur ces villes, hein, je deviens prof de géographie. Hein, ceux qui me suivent sur Twitter, vous saurez de quoi je veux parler. En 2011, on a compté 150 835 habitants. Et dans sa métropole, il y a 179 417 habitants. Bon, ça, c'est des chiffres de 2011. Va savoir pourquoi il n'y a pas eu de nouveaux recensements. En termes de population, c'est la quatrième ville de Serbie après Belgrade. Alors, Belgrade, c'est la top du top. Elle a 1 659 440 habitants. Et en deuxième position, on a Novi Sad. Et ça tombe bien, Novi Sad, c'est là où on va, d'ailleurs. Novi Sad, donc, on en parlera juste après. Donc Cracu Gévac, cette ville, elle est située sur les rives de la rivière Lepenica. Elle a été fondée en 1476 et la ville est connue pour ses usines d'armement et pour l'usine de construction automobile Zastava. Alors ça ne vous parle peut-être pas, Zastava, moi-même je m'y connais pas les gars. Hein. Mais en fait Zastava, c'est donc un fabricant d'armes, mais c'est aussi ce qui va amener à la licence Fiat. Et d'ailleurs j'aimerais faire une petite parenthèse, mais j'aimerais rappeler que toutes les marques automobiles, quasiment, hein, les marques automobiles viennent à peu près toutes de la guerre. J'aimerais juste le rappeler pour ceux qui ont des problèmes envers
par exemple Volkswagen, voilà, parce que Volkswagen ça a été créé par certains types de gens qui sont un petit peu vilains, voilà, mais il n'empêche que beaucoup d'innovations viennent de la guerre, que ce soit les gentils ou les méchants. Et aujourd'hui c'est plus d'actualité, aujourd'hui c'est juste des véhicules. Et Volkswagen, bah, c'est plutôt sympa, je voulais vous le dire. Moi j'aime bien Volkswagen et je parle pas de son histoire, je parle bel et bien de la bagnole. Enfin je trouve ça sympa, après j'en ai pas et je veux pas en conduire hein. Moi je suis très bien avec mes Peugeot et mes BM. Mais voilà, mais c'est pareil, BM c'est allemand. Bref, alors donc voilà pour Krakuševac, connu également malheureusement pour le massacre de Krakuševac, je ne connaissais pas. Voilà, les 20 et 21 octobre 1941, bah, on parlait d'eux justement, les Allemands qui avaient massacré en fait entre 2300 et 5000 civils. Et en fait, pourquoi on en parle? Bah, parce que c'est en fait le pire massacre allemand en Serbie. Donc dans cette ville qu'on vient de quitter à l'instant. Voilà, et on parlera de Novi Sad quand on y arrivera en temps et en heure. Je voulais un petit peu qu'on discute. Déjà je voulais savoir si vous aimez bien ce type de vidéo. C'est un petit peu différent, c'est pas du live, voilà. Vous avez un trajet et moi je vous parle en voix off derrière. C'est, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Là c'est exceptionnel parce que je suis malade et que j'ai pas envie de faire un truc en live. Voilà, il faut vraiment s'imaginer que je suis dans un état PLS comme un con. Voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait. Ça fait aussi que je conduis un petit peu mieux. Bon là c'est quand même pas mal d'autoroute, hein, c'est pas non plus incroyable, mais je conduis un petit peu mieux parce que je suis quand même beaucoup plus concentré sur la route. Donc voilà. Pareil, hein, je voulais encore vous remercier parce que vous êtes nombreux à apprécier mes vidéos long format, les vidéos de 2 heures, les vidéos de 40 minutes. Même s'il y en a qui préfèrent des vidéos dynamiques. Alors moi, il y a un truc qui me fume. Bon, les personnes concernées auront déjà lâché la vidéo parce que ça fait déjà 7 minutes. Mais moi, ce qui me fume, c'est les gens qui veulent que je fasse plein de coupures. Alors que je fais que de parler, donc ça veut dire les coupures c'est pour ceux qui animent pas. Voilà, je veux dire, je peux pas couper quand je parle. Ok, je fais des petits blancs entre deux mots, mais après vous avez mal au crâne s'il n'y a pas de coupure. Je fais que de parler. Donc je peux pas rendre plus dynamique ce genre de vidéo, hein, pour être très honnête avec vous. Ou alors il faudrait volontairement que je fasse des blancs de 20 secondes, mais je vois pas l'intérêt puisque je sais en fait parler, donc je sais continuer mes phrases moi, personnellement. Voilà. C'était la petite parenthèse que j'avais envie de dire. Également là je vais acheter le premium sur Trucksbook. Donc je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Trucksbook. En fait vous pouvez suivre mon activité en direct puisque depuis que je suis dans l'entreprise de L7C Fox, on est pisté. Voilà, L7C Fox, les patrons, les gérants, ils ont la géolocalisation. Voilà, on est pisté comme des chiens de la casse. Voilà, dès qu'on fait une infraction, voilà, on se fait taper du doigt. Et en gros, voilà, on est pisté, évidemment c'est un clin d'œil. On est pisté et vous pouvez voir du coup tous mes trajets sur Trucksbook. Je mettrai le lien en description, donc comme ça vous permet de voir les livraisons, vitesse maximale, etc. Et en achetant le premium, alors c'est 11 ou 12 balles à l'année. Et donc je vais faire ça. Ça permet de voir carrément sur la carte tous les trajets que tu as fait. Chose qu'on ne peut pas faire sur Eurotruck de base. Et ça va être très intéressant, je vous montrerai ça et on analysera ensemble. Évidemment, c'est pas vous qui allez payer le premium, les gars, c'est moi qui vais le faire. Et comme ça, tout le monde pourra voir. Eh bien, on verra tout ce que j'ai fait, toutes les livraisons que j'ai faites, par où je suis passé. Et ça permettra de se rendre compte. Alors, regardez, les amis, le rétroviseur. Regardez le rétroviseur. Fils de fou. Il est malade, celui-là. Eh oui, c'est pas de ma faute. Ok, j'ai pas accès à l'angle mort, mais l'autre n'avait pas à se rabattre. Voilà, tout simplement. Mais on a eu chaud, je lui ai fait un petit coup de warning, évidemment, hein, voilà. Après, il y aura de la courtoisie, vous allez voir. Donc oui, ça nous permettra de se rendre compte de tout ce qu'on a visité. Parce que mine de rien, j'ai pas fait énormément de vidéos jusqu'à présent, mais j'ai beaucoup roulé. Hein. Comme dit, il me reste plus qu'une livraison à faire pour valider le défi World of Truck des West Balkans. Et du coup, j'ai vraiment bien exploré tout ça, quoi. Je crois que j'ai déjà visité Sarajevo. Mais par exemple, en vidéo, je vous ai jamais montré ça encore. En tout cas, je suis passé par Sarajevo. Et voilà, une ville très connue, évidemment, par son histoire. Je ne sais plus ce qui s'est passé à Sarajevo. Voilà, j'ai honte, mais je sais que j'ai vu ça en cours d'histoire. Voilà, mais du coup, on verra ça dans les prochaines vidéos. On analysera tous les chemins que j'ai parcourus grâce à Trucksbook. Ça va être super intéressant. Voilà, sachez-le. Et puis, dans la prochaine vidéo, donc je roulerai de nouveau en direct, hein, en live. Enfin, quand je dis en direct, c'est en même temps que je parle, en même temps que je roule. Et il y aura une petite surprise. Il y aura une petite surprise en cours de vidéo également. Moi, j'aime bien vous faire des petites surprises. Voilà. On va parler un petit peu de Novi Sad tout de suite maintenant, comme ça c'est fait. Novi Sad, donc la ville dans laquelle on arrive. Avec paiement automatique. Voilà, donc la crack, Novi Sad, voilà. Et bah Novi Sad, comme je vous le disais juste avant, c'est la deuxième plus grande ville de Serbie après Belgrade.
Novi Sad, il y avait 300 000 habitants. Alors je dis il y avait, parce que comme dit, c'est des chiffres de 2011. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de recensement entre temps. Je suis pas au courant de tout. Ça a été fondé en 1694 et c'est actuellement l'un des centres les plus importants de la culture serbe et aujourd'hui un important centre économique et financier du pays. Voilà. Et je vous ai fait un petit blanc parce que je viens de tousser tout simplement et je voulais vous épargner ça. Voilà, donc ça fait plaisir. Le soleil se couche tranquillement, c'est ça ce que j'aime bien avec ce trajet, même si c'est beaucoup d'autoroute hein, pour le coup, de voie rapide, etc. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance qui va dégager parce que le soleil va se coucher. Il va pas faire nuit, hein, vous inquiétez pas, on va arriver avant la tombée de la nuit, enfin tout pile en fait. Et c'est l'ambiance qui va dégager avec le brouillard et voilà, la luminosité qui va se baisser, les citrouilles d'Halloween dans le camion, enfin, c'est vraiment super chouette. Je voulais aussi faire une parenthèse. Parce que bah, je suis content de voir que ça vous intéresse, de savoir où c'est que j'en suis en termes administratifs dans la vraie vie. Quelqu'un m'avait dit en commentaire, et je t'embrasse et je vous embrasse tous, que j'avais pas besoin de faire de nouveau une visite médicale pour passer la formation CE. Alors malheureusement, je vais devoir te contredire parce que... Alors soit les choses ont changé entre temps, ou en fait c'est juste parce que je suis un connard, je vais vous expliquer. Je dois refaire une visite médicale et ce sera dans 2 semaines. Et ma formation commence dans 4 semaines. Je dois refaire une visite médicale parce que, comme dit, la validité c'est 6 mois, c'est même pas un an, c'est 6 mois. Donc ça c'est bon, tu vois, je suis dans les clous. Sauf qu'en fait, vous savez, vous cochez en fait, le médecin, il va cocher, voilà, apte pour le C, apte pour le CE, etc. Bah moi il m'avait que coché le C. J'avais pas pensé en fait à... J'avais pas pensé tout de suite à la suite, tu vois. Je me suis fait niquer, voilà. Il faut que le CE soit coché et tu peux pas faire ça n'importe comment parce que après c'est envoyé à la préfecture, je sais pas quoi. Enfin c'est ce qu'a... Comment on dit, c'est tracé. Tu peux pas cocher CE, ce sera pas valide. Bref, je dois faire une visite médicale. Ça fait plaisir hein. Bah ouais. Quel enfer. J'ai reçu donc mon permis, ça je vous l'avais déjà dit. J'ai reçu ma carte CQC. Incroyable. Pas du tout, non. Si c'est ça, j'ai reçu ma carte CQC, mais j'ai pas encore reçu la chrono tachygraphe. Voilà, c'est ça. Donc j'ai toutes mes cartes, l'ADR également. Ça je l'avais déjà. Mais je vous l'avais pas dit, c'est vrai. Donc j'ai toutes mes cartes, il me manque juste la chrono tachygraphe. Et puis de toute façon, comme dit, là je vais faire le CE entre temps. Donc on s'en bat les couilles. Enfin, on s'en bat pas les couilles parce que de toute façon, c'est les mêmes cartes, donc ça changera pas à ce niveau-là. Donc voilà. Et mention spéciale à Pylog. J'ai hâte de voir ton premier vlog routier si t'en fais un, bien sûr. Bah écoutez, les gars, de toute façon, je vous tiendrai au courant, ça c'est clair et net. Alors on verra. Hein. Je pense pas être le prochain youtubeur routier. Mais je vous ferai des petits clins d'œil, à mon avis, des vidéos ici et là. Je pense, voilà, je pense qu'il y aura des petits trucs qui se passeront, vous inquiétez même pas. Parce que maintenant vous le savez, donc avant je vous le cachais, maintenant vous le savez, donc je peux très bien vous montrer des petites vidéos par-ci par-là. Ça peut être très intéressant. Et bonne chance à tous, du coup j'ai vu que vous étiez pas mal à vouloir rejoindre l'entreprise de la L7C Family, ça fait plaisir. Fox il doit être en mode, oh là là, on va être envahi, et ben tant mieux. Parce que il faut faire du chiffre. Voilà, il faut faire du chiffre dans le transport. donc c'est cool. Aussi je voulais revenir, même si c'est pas important, mais je voulais quand même le préciser. Tirana, la ville Tirana. Quelqu'un m'avait dit que c'était Tirane et non pas Tirana. Alors oui, tout à fait, dans le jeu le panneau c'est écrit Tirane, mais c'est bel et bien Tirana. C'est pour ça que je l'ai dit hein. Après vous inquiétez pas, quand je dis des trucs en général je me renseigne un peu sur internet avant de le dire. Après les deux doivent être bons hein, comme dit hein, mais quand tu tapes Tirane ou Tirana, bah la capitale de l'Albanie c'est Tirana. Vraiment Tirana en albanais, c'est comme ça que tu le dis. Après tu peux dire Tirane hein, je pense qu'il n'y a aucun problème à le dire, mais c'est bien Tirana. Et voilà le petit moment de courtoisie, me semble-t-il. J'ai juste entendu les clignotants mais j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je crois qu'on m'a laissé passer. Et regardez le soleil couchant, absolument magnifique. Et justement, je voyais quelqu'un en commentaire qui disait que le mode Real Traffic fait crasher les OS Balkans. Alors, non, là ça fait plus crasher, hein. Ça a été mis à jour, n'hésitez pas. Mais je suis pas sûr de recommander parce que, comme dit, l'IA est absolument folle. Là, durant ce trajet, ça va, comme dit, mais l'IA est absolument folle. Mais en même temps, ça rajoute plus de vie, comme dit, c'est quand même beaucoup mieux et plus logique. La nuit, il y a moins de véhicules. Les heures de pointe, il y a plein de gens, il y a plein de bouchons. C'est quand même beaucoup plus cohérent. Mais voilà, c'est comme vous voulez. Et encore une fois, pour remettre le trip à zéro, ceux qui ont demandé, c'est une touche dans les paramètres. Vous allez dans les paramètres, touche et clavier, et vous cherchez ici. Et je vous invite vraiment à le faire, parce que à regarder par vous-même, parce qu'il y a énormément de choses que vous pouvez vous dire, oh trop bien, je vais attribuer cette touche. Non, non. Vraiment, je vous recommande d'aller voir par vous-même.
Si vraiment vous voulez que je vous montre en vidéo, je le ferai, mais c'est con parce que vraiment vous pouvez trouver ça. Prenez bien votre temps, ça vous prendra grand max 5 minutes. Franchement, pardon, je suis en train de partir en couille. Franchement, ça vous prendra 5 minutes et donc vraiment n'hésitez pas quoi. Et pour répondre à la question de Faravar, pourquoi je prends des amendes même avec des lumières allumées, il dit défaut éclairage. Alors ça c'est un problème que j'ai eu au début et ça m'a saoulé. Les défauts d'éclairage, c'est parce que les lumières allumées, toi tu penses que les feux de position suffisent, mais le jeu est con. Voilà, il faut le savoir, le jeu est con. Donc quand il est par exemple 7h du matin et qu'il fait suffisamment jour hein, et que t'es en feu de position, bah ça suffit pas. Ils veulent que t'aies les feux de croisement en fait. Et pareil le soir. Le soir, je vais dire une connerie, hein, je sais plus c'est quand, mais je crois qu'à partir de 16h, 17h, tu dois être en feu de croisement. On va dire 16h au hasard, d'accord? À 16h, tu dois être en feu de croisement. Bah, à 16h, il fait encore jour, quoi. Et bah, si t'es en feu de position, tu peux avoir un défaut d'éclairage, une amende, voilà. Donc, c'est chiant. Donc, pense-y vraiment. De toute façon, si t'es en feu de croisement, t'auras aucun problème. Jamais. Et c'est pour ça, à une époque, je mettais tout le temps les feux de croisement et tout le monde me disait en commentaire « Mais pourquoi tu laisses tes feux allumés? Il fait jour, on a un... » Et bah c'était parce que j'en avais marre d'avoir des amendes de défaut éclairage. Bon, maintenant, j'ai le truc en tête, hein, j'y pense très rapidement. Dès que on commence à être... Enfin, quand on est en soirée, etc., je mets direct les feux de croisement. Donc voilà. Et là, ça souffle. Hein. Là, il y a du vent. Hein. Attention, hein, attention les vélos. Hein. Ah oui, c'est vrai ça, j'ai une petite info là, c'est que j'ai récupéré ma tortue. J'avais complètement oublié dans les défis World of Truck, et je vous disais ça dès le premier jour. Si on faisait une livraison dans je ne sais plus quelle ville, eh ben on pouvait récupérer une tortue comme petite décoration. Hein, comme dit, si vous terminez le défi des West Balkans, vous avez à la fin un pélican. Voilà. Mais si vous faites une livraison dans une ville en particulier, je sais plus c'est laquelle, ben vous aurez le droit à une tortue. C'est trop cool. Eh ben je l'ai, ça y est, je l'ai. Je vous la montrerai dans la prochaine vidéo. Petite parenthèse également, la SCS, là, ils font plein de news, plein d'infos. La 1.49, complètement dingue. Je vous avais fait une vidéo pour parler des Skybox. Donc ça y est, ils vont ajouter la lune dans la prochaine mise à jour. C'est-à-dire que quand il fera nuit, il y aura la lune. C'est formidable, hein. Superbe. Des nouveaux effets de météo. Et ben là, ils nous annoncent qu'on pourra acheter des camions d'occasion. Un truc de ouf. Maintenant, c'est un peu trop tard pour moi parce que j'ai acheté un camion neuf. Mais voilà, quand tu commences ton aventure... ou juste t'as pas envie de te ruiner, bah tu peux acheter un camion d'occasion. Et c'est trop bien parce que apparemment il y aura toute une mécanique derrière. Parce que évidemment tu prends un véhicule d'occasion, mais ça peut coûter finalement plus cher par derrière. Parce que il y aura des réparations et ci et ça quoi. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se profiler, à quoi ça va ressembler, etc. C'est vraiment très intéressant d'avoir mis cette fonctionnalité. Comme dit, c'est en train de s'améliorer de ouf. Ils font vraiment des dingueries hein, les développeurs. Et comme dit, moi j'attends juste que... Il pourrait mettre les feux de brouillard, ce serait chouette. Et pouvoir activer ou désactiver les aides à la conduite avec une touche. Comme en vrai, quoi. Tu sais, avec les petits boutons sur les côtés, quoi. En plus, je les vois d'ici, je crois, les boutons, là. En bas à droite. Il doit bien avoir un bouton en rapport. Enfin, bref. Voilà, quoi. Allez, là, on va sortir, je crois, de l'autoroute. Si je dis pas trop de bêtises, on arrive vers la fin, tranquillement. Vers la fin, avec une manœuvre assez sympa, vous allez voir. Alors, aussi, petite parenthèse, hein. Actuellement, je suis en train d'en bouffer hein, des vidéos CE. Parce que clairement, ceux qui rentrent en formation, je recommande vraiment de prendre les devants. Bah, surtout ceux qui font des formations comme moi en 2 semaines. Parce que moi, à la base, ma formation pour le C, elle avait duré 3 mois. Donc j'ai eu large le temps, tu vois, entre guillemets. Ah oui, là, je me suis fait avoir. J'avais pas vu qu'il fallait sortir, mais ça s'est bien passé. Mais quand tu fais une formation en 2 semaines, vaut mieux prendre les devants et regarder des vidéos. Donc j'ai deux youtubeurs, deux formateurs qui font des vidéos d'extrême qualité. Je ne connais plus leur nom, voilà, je suis un salaud, mais vous les connaissez, c'est sûr. C'est des classiques, les deux mecs. Et franchement, super bien. Et je peux vous dire que, bon, j'ai pas encore conduit de semi en vrai, du coup. Mais j'arrive à... J'étais fier de moi. Alors pas pour la manœuvre que vous allez voir, parce que je me suis pas cassé la tête. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé à faire un demi-tour avec un semi. Donc pas dans cette vidéo, comme dit. Et j'étais trop fier de moi. C'est-à-dire que j'arrive maintenant à comprendre comment faire la cassure, comment bien guider le semi. Je vous montrerai mes talents, si je puis dire, mes débuts de talent. J'arrive en fait à maintenir la remorque droite, à la faire aller un petit peu vers la droite, à la faire aller un petit peu vers la gauche. Maintenant, je comprends beaucoup mieux la logique. Comme quoi, hein, on a quand même besoin de formateurs.
Et tout ne peut pas être forcément inné, tu vois. Depuis que j'ai vu ces vidéos, je commence à comprendre pourquoi je fais de la merde sur le jeu à chaque fois, tu vois. Donc complètement dingue. Et je peux te dire que j'en bouffe, hein, des vidéos comme ça. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir conduire ça en vrai le mois prochain. Je me chie dessus parce que bah l'examen... voilà. Ça c'est vraiment, je me chie dessus, ça va être 2 semaines intensives. Je sais même pas si je ferai des vidéos à ce moment-là dans un mois. Mais voilà. Donc niveau manœuvre, je m'en sors beaucoup mieux. Comme dit là, je me suis pas cassé la tête pour la manœuvre là. Mais dans l'idée, vous allez quand même être fiers de moi parce qu'au contraire, j'ai été malin. Parce que là, qu'est-ce que j'aurais fait dans la vraie ville? Enfin, qu'est-ce que j'aurais fait jusqu'à présent? Je serais allé vers la gauche là. Et c'est ce que je voulais faire au début. Là, je serais allé vers la gauche. Mais du coup, j'aurais fait une manœuvre à contre-main. Mais pourquoi se casser la tête à faire une manœuvre à contre-main quand on peut faire soit à main ou soit autrement? Parce que bon, là, je voulais faire à main, mais j'avais pas assez de place. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, au final, comme un con, ben, je ressors un petit peu de l'entrepôt. Mais c'est une bonne idée parce qu'au final, ça va me permettre de faire ça en one shot sans aucun problème. En plus, j'ai pas de camion qui est collé derrière. Donc en vrai, c'est malin de ma part. Faut toujours. Faut faire le moins d'efforts possible, hein, de toute façon, hein, c'est simple. Hein. Pourquoi se casser la tête à vouloir faire un truc à contre-main? Là, on est dans la vraie vie, on n'est pas en train de prouver je sais pas quoi. Enfin, là, on est pas dans la vraie vie, on est dans le jeu, mais t'as compris. Dans la vraie vie, tu te mets à quai, tu commences pas à faire le mariole. Enfin, je veux dire, autant faire au plus simple si tu peux faire simple, en tout cas. Évidemment, si t'es entre deux camions, s'il y a du monde, etc. Là, en plus, le soleil se couche, il y a personne, tu vois, c'est vraiment tranquille. Voilà, donc là, j'ai juste à reculer tout droit et puis après. À faire ma petite cassure côté gauche. Non, qu'est-ce que je raconte? Je ne sais plus. Bref, j'ai inversé mes. Bref, t'as compris de toute façon ce que je suis en train de faire. La manœuvre sera bien réussie. Donc voilà, les amis. Voilà, je perds ma voix. Oh, c'est horrible. J'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu différente. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si vous préférez l'autre format, de toute façon, vous inquiétez pas. C'est ce que je continuerai de faire. Mais si entre temps, entre deux, vous aimez bien ce genre de petit format, n'hésitez pas à me le dire. C'est peut-être ce genre de format qu'il y aura dans un mois pendant que je ferai la formation. Parce que j'aurais peut-être pas forcément l'envie de rouler et de faire un commentary en même temps. Ça va être très compliqué pour moi. J'aurais d'autres choses à penser. Donc voilà. Et puis là, c'est pareil. On va pas se casser la tête à je sais pas quoi. Hein, on va corriger. On va se remettre en avant. On va pas commencer à faire je sais pas quoi. Voilà. Autant faire ça et reculer tout droit. Et on est tranquille. Voilà. C'est bien, M-Colo. Bravo, M-Colo. Trop fort. Ça mérite un pouce bleu. Allez, les amis. Je vous retrouve très vite. Je vous kiffe. Ciao, tout le monde.